Bonjour et bienvenue, on va faire une petite vidéo sur Aliens Fireteam Elite, on va parler de la, la roadmap en fait, parce que la roadmap est sortie alors, il y a quelques semaines déjà, euh, j'ai pas voulu en parler parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose dessus, euh, mais euh, récemment je rejoue en fait à Deeprock Rock Galactic parce qu'ils ont sorti euh, leur première saison et tout ça, et je voulais en fait comparer euh, <laughs> les options qu'il y a en fait pour jouer en multi sur Deeprock Rock Galactic, qui est sorti lui euh, en 2020 et tout ça, mais bon les développeurs sont... Très compétent et on fait un très bon jeu. Et je conseille énormément de prendre Deep Rock Galactic au lieu de euh, Aliens Fire Team Elite. Euh, donc je voulais comparer ça, mais ça, ça sera pour le, la deuxième partie de la vidéo. Euh, la première partie, donc, on va parler de la, de la première année roadmap. Alors, les, ça va se dérouler en saison, hein, comme on avait dit ça dans d'autres vidéos. Donc, saison 1, 2, 3 et 4 en vue. Donc, la première, c'était le nouveau kit, c'est le Phalanx, la nouvelle classe. En gros, ils disent nouveau kit. Euh, et on a eu 4 armes et 5 cosmétiques. Alors. <coughs> Il faut aussi se rappeler que euh, les développeurs ont fait des, euh, des conneries, beaucoup de conneries hein, sur le jeu. On hein, rajoute un matchmaking extrêmement défectueux, mais ça on en parlera quand je comparerai ça à Deep Rock Galactic par exemple. Euh, et après, le phalanx qui n'était pas euh, très révolutionnaire, surtout qu'il y avait des gros, gros problèmes, deux gros problèmes avec le bouclier qui s'enlevait, euh, des choses comme ça, et la lightbox aussi du bouclier. C'était les deux plus gros problèmes qui ont été corrigés, genre quelques jours après. <laughs> Donc euh, bon, voilà, encore une fois, on peut voir que euh, les devs bah, du coup ont sûrement pas testé euh, leur phalanx avant la sortie euh, vu que ces choses là ces deux grosses choses là principales que tout le monde a, a vu dès le début bah, ça a été corrigé genre quelques jours après ou alors une semaine après donc voilà encore une fois ça n'a pas été testé et les nouvelles armes il euh, y avait elles n'étaient pas vraiment intéressantes je crois qu'il y a une seule arme sur les quatre qui est un peu intéressant le reste c'est ou des armes qui font pas assez de dégâts qui ont pas assez de munitions etc euh, donc voilà vraiment pas très très euh, bon pour une première saison pour la deuxième saison qui arrive on va avoir un nouveau game mode new game mode donc nouveau mode de jeu qu'est-ce qu'ils veulent dire par là je pense pas que ça sera genre des nouvelles missions pour la campagne parce que sinon ils auraient parlé de la campagne en fait euh, mais nouveau mode de jeu je vois pas ce qu'on peut avoir avec euh, après le mode horde euh, je sais pas, euh, mais en tout cas, il n'y a pas écrit une nouvelle map, donc ça c'est un problème. Mais bon, bref, on verra ça. Après, il y a new Feature, donc euh, pff, -ce que ça, peut... ça peut être tout, tout, tout ou rien, honnêtement. Euh, nouvelles caractéristiques, nouvelles euh, mécaniques, nouvelles choses, voilà, du, dans le jeu. Donc on ne sait pas du tout ce que ça peut être, les deux, les deux choses principales de la saison 2, donc c'est vraiment bien. Euh, et après, on a 4 nouvelles armes, 10, 10 attachements, voire plus même, euh, 10 nouveaux cosmétiques et 10 nouvelles euh, cartes de challenge. Alors les cosmétiques on va pas en parler, c'est pas grave. Euh, alors les, déjà les cartes de challenge. Alors vous vous rappelez les cartes qui donnent plus d'argent et plus d'expérience Mais vous savez l'expérience que vous avez pas besoin parce que les développeurs ils ont déjà augmenté euh, toutes les armes de base du jeu donc c'est-à-dire à peu près 30 armes au maximum, vous vous rappelez de ça voilà, donc en gros ce que je veux dire, hein, évidemment, c'est que euh, on n'a plus rien à augmenter, on n'a plus rien à acheter, ça sert plus à rien. Donc rajouter des cartes de challenge, honnêtement, c'est pas vraiment intéressant. À moins qu'elles donnent des objets et pas tout simplement de l'argent euh, ou euh, de l'expérience en plus. Je vois pas à quoi ça sert de rajouter des cartes de challenge, c'est pas grave. Après, quatre armes. bon, encore une fois, on compare avec la saison 1, on a eu des, des armes qui étaient un peu pourries. Alors après. Moi je dis oui bravo à l'équipe pour pouvoir en fait euh, étendre les connaissances de Alien et faire des nouvelles armes. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même euh, plus de 30 armes en fait dans le jeu euh, qui sont tirées de l'univers d'Alien. Donc honnêtement c'est pas mal. Et les attachements aussi c'est pas mal. Il y en a pas mal. Euh, c'est plutôt sympathique. Mais encore une fois... Euh, toujours avec ce problème de difficulté, de nombre de munitions et tout ça, euh, les armes deviennent plus ou moins inutiles en fait par rapport à ça. Le fait qu'elles fassent pas de genre pas de dégâts, qu'elles utilisent trop de munitions et qu'elles sont pas de réserve de munitions et tout ça. Donc du coup, euh, bah, ça fout un peu la merde partout. Donc, bref, euh, donc voilà, donc la saison 2 honnêtement, qui arrivera donc en fin d'année 2021, donc peut-être ce mois-ci ou le mois d'après, je pense que je ferai sûrement une vidéo, parce que j'ai rien que ça à foutre en fait, euh, et je me fais chier. Donc euh, je vais sûrement faire une vidéo dessus pour voir ce que c'est, mais, mais honnêtement, ça, <coughs> ça annonce rien de bon, ça annonce rien de, de très transcendant, et je suis assez... Euh, pff, ouais, honnêtement je pense pas que ça va sauver le jeu, le jeu est déjà mort, hein, donc euh, je pense pas que... Voilà. Après on a la saison 3, donc New Kid, donc euh, nouvelle classe. Nouvelle classe donc ça sera le deuxième euh, en 2022, sûrement vers euh, mars, avril, mai euh ouais nouvelle classe honnêtement le jeu sera déjà archi mort de depuis le temps donc euh, nouvelle classe et après encore nouvelle feature donc euh, nouvelle caractéristique on sait pas ce que ça va être euh, des nouvelles armes des nouvelles perks alors les nouvelles perks ça c'est bien mais elles arrivent grave trop tard, elles arrivent grave, grave trop tard, des cosmétiques comme je l'ai dit on n'en parle pas. Et après encore des cartes de challenge, ça aussi ce sera complètement inutile euh, parce que tout le monde sera au niveau max en fait de, depuis bien longtemps en fait. Entre les saisons, vous avez genre vous, vous jouez 3 heures, vous avez déjà tout au niveau max en fait. Donc euh, honnêtement c'est un peu un problème après la saison 4, il y aura encore un nouveau mode de jeu et tout ça. Et ça sera pour euh, beaucoup plus tard en 2022. Alors euh, honnêtement, euh, Roadmap, bah, il est sympathique, mais euh, avec toutes les, les conneries en fait qu'ils ont faites depuis que le jeu est sorti, ça annonce que du mauvais en fait. C'est ça le problème. C'est qu'on a des classes qui ne sont pas testées, on a des armes qui ne sont pas testées, euh, on a le jeu qui est encore extrêmement bancal, et du coup, vu qu'il est bancal à cause du matchmaking et tout ça... Et eh bah, ben, du coup, il n'y a plus personne sur le jeu, donc les gens vont pas revenir sur le jeu. Enfin voilà, c'est la merde. Maintenant, nous allons passer sur 10 Rock Galactic, car je voudrais préserver le peu de santé mentale qui me reste après avoir joué à plus de 100 heures sur Alien, ah, et vous montrer des bonnes options de multijoueur et tout ça. Alors, vous arrivez dans un HUD qui est vraiment, vraiment cool. Vous avez euh, tout, vous avez la garde-robe pour changer le skin. Vous avez euh, l'équipement pour changer n'importe quel équipement, mettre euh, différentes options pour les équipements. Vous pouvez changer de classe très facilement, tout va très vite, vraiment cool. Euh, vous pouvez même euh, customiser votre petit robot qui vous suit si vous jouez solo. Mais pourquoi jouer solo à un très bon jeu multi euh, Nous avons les nouvelles choses ici, la saison 1. Alors c'est surtout des cosmétiques, il n'y a rien de, de pay to win en fait, donc c'est surtout des cosmétiques et euh, des récompenses comme des euh, mines qui vous permet d'augmenter vos armes etc etc vous avez le bar là bas car on peut boire des bières c'est vachement bien vous avez ici la forge vous pouvez créer crafter des choses qui augmentent des, vos armes vous avez la plongée abyssale qui est la chose la plus difficile à faire dans le jeu vous avez un magasin ici qui est tout bien vous avez euh, du cosmétique à acheter encore une fois rien de pay to win vous achetez avec les curanciers du jeu et là vous avez toutes les missions que vous pouvez prendre faire des affectations et après vous choisissez votre mission et il y en a plein partout. Il y a différentes zones, différents biomes, etc., etc., Mais on va surtout parler du multijoueur. Donc imaginons, j'arrive, je me fais chier solo. Je me et j'ai cette mission à faire, mais j'ai pas envie de la faire solo. Mais qu'est-ce que je fais Alors j'ai beaucoup d'options. J'ai, je peux être le hôte, donc c'est-à-dire euh, hôte public. Donc c'est moi, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc je lance la mission. Et dès que je lance la mission, je vais avoir des gens qui vont me sûrement me... peut-être me, me rejoindre, mais je vais les virer. C'est bête. La mission est chargée. Donc déjà, les gens, en fait, peuvent venir rejoindre ma partie quand ils veulent. Donc ça c'est bien. Mais pas que, pas que dans le HUD, en fait. Ils peuvent aussi me rejoindre pendant que je suis dans la mission. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. J'aurais bien voulu que, que des gens me, me rejoignent au hasard quand même, honnêtement. Pendant que je parle. Mais bon, c'est pas grave. Euh, et après, si jamais je veux pas attendre... Ce que je peux faire, bon déjà je peux partir en mission et les gens peuvent me rejoindre en mission déjà. Mais après ce qu'on peut faire aussi, on peut mettre haute pour amis seulement ou alors se mettre en solo. Voilà tout simplement. Mais aussi on peut rejoindre parce que oui, on peut voir en fait les missions en cours. Donc on a le temps. Donc par exemple là ça va faire déjà 4 minutes qui sont là, 6 minutes, 1 minute, 3 minutes, etc. Là ils sont déjà pleins en fait. C'est pour ça que c'est grisé. Hein, parce qu'il y a du monde en fait sur le jeu. Donc c'est déjà plein. Hein. Mais il y a tout ça et ça c'est pour une seule mission. C'est pour une seule mission. Il y a déjà tout plein de gens, tout plein d'ouverture de, 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 en fait. Ça dit le, le, le danger, donc c'est la difficulté, la complexité. Donc ça c'est par rapport à la mission. Si elle est, euh, les, la, la grotte en fait est large, euh, la longueur pareil. Et après l'équipe, vous pouvez voir aussi qui est dans l'équipe, quelle classe est dans l'équipe. Et après la distance aussi. Genre s'ils sont euh, proches du début de la mission ou alors s'ils sont vers la fin de la mission. Vous voyez, vous pouvez tout changer vous voyez c'est énorme euh, type de serveur distance de recherche niveau de danger donc il y a tout qui est bien il y a toutes les options disponibles dans ce putain de jeu c'est abusé quand vous avez des développeurs qui savent ce qu'ils font et d'autres qui ne savent pas du tout ce qu'ils font euh, donc voilà ça me permet de garder ma, <laughs> ma santé mentale un peu plus longtemps euh, mais voilà donc Deep Rock Galactic très bon jeu je le conseille Prenez-le, testez-le, jouez-y. Et euh, ça vaut le coup de, de supporter en fait, les, les développeurs pour ça, parce qu'ils ont fait un boulot extrêmement bon. Avec ce jeu là euh, Mais voilà Ce sera ma petite vidéo Je sais pas pourquoi Je voulais parler De galactique Mais quand j'ai Quand j'ai rejoué à ça en fait Récemment Et j'ai vu les options Rien que pour se connecter, connecter En fait en, Entre les gens Comment c'était simple Par rapport à Alien Ça me rend fou en fait Quand en 2021 On sort des jeux Sans matchmaking Déjà parce que On rappelle que Alien Est sorti sans matchmaking à la base C'est qu'une fois Que tout le monde gueule Bien fort Que les développeurs Ont fait un matchmaking Et encore une fois Ce matchmaking il est nul, c'est de la merde. C'est pourri, c'est nul. Donc voilà, je voulais montrer vraiment un jeu à qui fait les choses bien. Ça sera tout pour cette petite vidéo. Euh, pour Alien, j'en ferai sûrement une autre plus tard sur la ce, saison 2. Euh, et sûrement, je m'énerverai. Voilà, je passerai un très mauvais moment. Mais euh, voilà, ça fera une vidéo en plus sur ce jeu-là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.